Voilà, punaise, après moult galères, je pense que j'ai réussi. Oh non, mais je vous jure. Putain, ce que c'était horrible. Oh la vache. Bon, normalement, ça devrait être bon. Je sais pas avec la musique ce que ça va donner, parce qu'elle est sans doute et très certainement copyrightée. Mais bon. Oui, bonjour tout le monde, c'est Kizai, on se retrouve donc pour... bah, tout simplement un nouveau let's play hein, qui portera sur, comme vous pouvez le voir à l'écran, Toy Story 3. Pourquoi le 3? Parce que bah, le 2 est sur Play 1, mais j'ai pas de Play 1. Et le 1 était sur Game Boy, je crois, mais... Bah, je l'ai pas non plus. Et puis voilà. Non, tout simplement aussi parce que le 3, bah, je l'ai trouvé dans un cash converter à genre... allez, c'était quoi? 5-6 francs suisses. Donc, ouais, non, je me suis dit, écoutez, bah, j'avais envie, enfin, j'avais envie, non, mais sur mon énorme liste de jeux à faire, bah, c'est sur lui que c'est tombé. Et puis, voilà, écoutez, on verra bien, on va voir, on va découvrir un peu. Alors, je pense que niveau droit, je vais me faire un petit peu déglinguer avec la musique, tu es mon ami, donc en anglais, celle qu'on a entendue là. Mais, écoutez, on va essayer. Après, j'avais de très bons souvenirs. Enfin, j'ai pas fini le 2 parce que c'était un ami qui l'avait, mais j'avais de très bons souvenirs du 2 sur Play 1. Et on m'a dit que le 3 était tout aussi bien. Peut-être pas meilleur, mais on m'a dit que le 3 était tout aussi excellent. Donc écoutez, j'ai envie de dire, bah écoutez, on va aller voir. Pendant le P3, c'est très beau. Donc je suis en 720p, 60 images secondes, si jamais vous posez la question. Parce que je ne sais pour quelle raison 1080p ne passe pas avec les gâteaux 60. Sur la Play 3, donc bon, écoutez, voilà. Alors, par contre, est-ce qu'on a les voix françaises? Je pense que oui. On poursuit le train. Ah oui, parfait. Les orphelins. C'est ça qui est cool, c'est que... C'est un jeu Toy Story. J'adore Toy Story. Et je pense qu'on va bien... Je pense qu'il va être bien sympa. Ah ouais, d'accord. Maléfique docteur Croûte-de-Porc. C'est le maléfique docteur monsieur Croûte-de-Porc pour toi. Et j'ai un petit compte à régler avec toi, chéri Foodie. Plus vite, pile poil, nous devons sauver ce train et les enfants. Ok, donc petit niveau pour commencer en mode course-poursuite. Pourquoi pas? Ok, je sais pas ce que j'ai obtenu. Pourquoi pas? Alors, je ne vise pas le 100%, hein, loin de là, vous vous en douterez bien évidemment. Mon but, c'est vraiment... Ah, je l'ai eu, ok, j'avais eu peur de ne pas l'avoir, mais je l'ai eu. Mon but, c'est vraiment de faire le jeu, hein, de le découvrir. Donc, c'est un jeton HAL, joue à gogo, passe ces jetons sur le bateau de chez HAL, joue à gogo pour acheter des jouets que tu pourras utiliser dans le rodéo de Woody. Ok. Donc, écoutez, on va voir, hein. Je connais pas du tout le jeu. Donc on verra bien ce que ça vaut. Mais voilà, j'adore Toy Story. J'ai vu le 4 qui est sorti oui, enfin récemment, non, mais qui est sorti avec ma soeur. J'ai beaucoup aimé. J'ai chialé à la fin du 4. Oui, je me reconnais, à 27 ans, bientôt 28. Enfin, un jour de mes 28, parce que là, je tourne la veille de mon anniversaire. Un jour de mes 28 ans, oui, j'ai chialé sur Toy Story, totalement. Mais je m'en cache pas, hein, clairement. Ah, la fin pour moi était triste, putain, c'est Toy Story, j'ai vraiment grandi avec, c'est vraiment un dessin animé que j'ai vraiment adoré depuis que je suis tout gamin. Et non, clairement, j'aime beaucoup cette licence, ce dessin animé. Donc assurément, ouais, moi ça a fait quelque chose la fin de Toy Story 4, quoi. Évidemment, je vais pas la spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film. Hein. Donc hop, enfin, petit niveau, non, mais petit passage secret entre énormes guillemets. Par contre, ça lag. Alors, je sais pas si c'est le jeu ou quoi, mais putain, ça. Il y a quand même beaucoup de lag et j'ai loupé une capsule. Tant pis. Comme je dis, je vise pas le 100%. Je ramasse ce que j'ai à faire, enfin ce qu'il y a sur le chemin. Je compte pas revenir. Alors, à moins que ce soit obligatoire, je compte pas revenir dans les niveaux et autres. Non,
mais c'est beau. Ouais, non, mais là, par contre, je recommence d'où? Ah, ok, quand même. Ils sont sympas. Ça va, ils sont quand même gentils. Je me suis dit, ils vont pas me faire recommencer. Mais bon, là, il s'est coincé un peu, je sais pas trop où, là, pile poil. Ok. Effectivement, mon aventure pour l'instant est une catastrophe ferroviaire. Je n'aurais pas dit mieux moi-même. Il y a une maniabilité assez chelou quand même, je dois vous avouer, avec pile poil, c'est assez spécial. Yeah, pile poil. Ah ouais, le jeu est beau en tout cas, très sympa. On se promène un peu vraiment dans le film, c'est ça qui est cool. Bon, évidemment, les hey, ho, ho, ha, ha, et autres réactions, hein. Alors, du coup, allons voir un peu les actions. Ah, carrément, on a une espèce de dash pour casser les objets. Ok, ça c'est bon à savoir. Ah, c'est pas mal, donc. Est-ce qu'on peut casser ça? Non, je crois pas, visiblement. Ok, alors c'est parti, allons sauver les orphelins. Ah, Buzz, nickel. Alors du coup, appuie sur carré pour sauver les orphelins, ok. C'est bien, c'est marrant comme phase de tutoriel un peu, c'est sympa. Ah, qu'est-ce qu'on a là? 4 collecteurs, Jesse, ok. Bon, sauter, ça on sait. Oup, 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 oup. Double saut, c'est ça, j'imagine? Ouais. Forcément, comme pas mal de jeux de l'époque, hein. Enfin, de l'époque, non, mais pas mal de jeux de plateforme, il y a des doubles sauts. Ouais, voilà, genre là, au milieu de ton saut, pour... passer les précipices de la mer. Oui, t'as pas besoin de péter le train non plus, Buzz, je pense. Ah, on a une attaque sautée, ok. Alors je pense qu'on va avoir une autre action. Ah, ok, maintien L2, enfin c'est pour enclencher le mode visé. Et R2 pour viser. Ok. C'est tout con, mais oui, effectivement. Pourquoi pas. Du coup, est-ce que je peux récupérer la balle que j'ai lancée? Je pense pas. Hein. Non, ça aurait été trop beau. Je pensais avoir des balles, donner un coup d'épaule pour étourdir. Bon, ça, classique. Ah, villageois Woody. Alors, je sais pas ce que... Oups, j'ai déglingué le martien. J'ai peut-être été un peu extrême dans mes... Quoique... Attends, mais je peux le prendre? Ah, ok, on peut le prendre. Ah, intéressant ça. Ouais, par contre... Ah, je suis tombé. Pff. Bon... Pourquoi pas. Ah, il y a quand même un autolock, ça c'est bien, mine de rien. C'est-à-dire que mon personnage va automatiquement locker les adversaires. Alors ça c'est pas mal par contre. Enfin, pour autant, voilà, que je passe devant, ça les lock automatiquement par contre. Ah non, mais d'accord, ouais, ça prend qu'une balle à chaque fois. Je me disais si ça en jetait plusieurs, mais non, ça m'en prend qu'une. Voilà, un petit orphelin libéré. Non, mais c'est clairement sympa, franchement j'aime beaucoup. Et pourtant je l'ai vu venir. Pff,
ça enlève vachement de vie. Oh. Putain, il est pas facile le jeu. Sans déconner, et franchement, Non mais là... Bon, je veux bien être mauvais. À un moment, je veux bien être mauvais. Il n'y a pas de souci. Néanmoins... Putain. Bah oui, tiens. Non mais en même temps, le jeu... Putain, j'avais pas le souvenir que c'était si dur que ça. Toy Story 2 était pas non plus si hardcore, hein. Ils étaient pas si punitifs. Parce que là... Là, c'est chaud quand même, là. Ah putain, une safe zone, ok. Alors qu'est-ce que c'est ça? Des vaches. Des jouets vaches. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Oh non, les pauvres petites vaches. Les vachettes. Alors je sais pas à quoi ça sert. Est-ce que ça permet de les lancer? Ah mais ça va pas aussi loin. Par contre le Marsa qui était devant, il a fait quoi? Il a jarté ou... Je pense. Alors, hop là. Ah oui, d'accord. Catapulte, ok. Alors, question débile, mais est-ce qu'on peut tourner la caméra? Non. Empêche avec ton code de peur de dominer le monde. Alors je sais pas si le son sera assez fort, hein, malheureusement. Là je tourne déjà en avance, donc je peux pas régler. Enfin si, je peux régler le son, mais je ne le verrai que qu'après coup, si c'est comment dire, le son du jeu est suffisant ou non. Voilà, code de porc, casse-toi. Enfin en tout cas pour l'instant. Ouais, le jeu franchement est loin d'être facile, hein. On dirait pas comme ça, mais... Peut-être tu dis, oh, c'est un jeu pour les enfants, machin, mais... La vache, pas vraiment, n'empêche. Sans déconner, c'est pas si facile que ça. Hein. En plus, y'a rien pour te redonner de la vie, genre... Tu vas vraiment réussir tous les stages du premier coup... Enfin, du premier coup, non, mais... Ouais, faut vraiment réussir... sans problème, quoi. C'est pas évident, hein, mine de rien. Bon, du coup, je dois faire quoi? Ah, j'ai quand même le jarté par-dessus bord. Bon, ok. Ah, bon, ça va. Je me demandais comment on allait monter. Mais ça, c'est quoi? C'est des checkpoints? Ça doit être ça, je pense. Je ne vois que ça, en tout cas. Non, après, voilà. Le jeu, franchement, est très beau. Je pense qu'il va être très sympa aussi. Surtout s'il suit l'histoire du film, qui était pas mal, celui du 3 également. Qu'est-ce que c'est ça? Souvenir d'Andy, dessin de Buzz. Ne laisser aucun jouer. Bah, en même temps, je vais en laisser aucun, forcément. Ok, donc là j'ai Bayonne qui me canarde à distance. Pleutre! Adieu. Le pauvre. Adieu. Oui, je suis un salaud, je les balance par-dessus bord. Totalement. Oh, je l'ai eu quand même. Je sais pas trop comment je l'ai eu, mais je l'ai eu.
Alors, est-ce qu'on aurait fini le premier stage? Je pense que oui. Ah, je pense. Bon, logiquement, je crois que c'est un jeu de Andy. Hein. Et ainsi, le diabolique docteur Comte de Port fut vaincu. Ah, et non, le train pas. Des orphelins arriva sans encombre à destination. Attends une seconde. Tu as un vaisseau spatial géant et une flotte de drones d'assaut, et tu te fais semer par un cow-boy à cheval? C'est que le bandeau avait diminué ma perception des distances. Et pourtant, mais c'est la faute de son bandeau. Enfin bref, reprenons notre plateau de jeu. Si je puis me permettre, ce plateau est impressionnant. J'ai du mal à croire que tu l'aies construit. Oui, alors je voulais créer une carte où figuraient tous les points de repère importants que nous avons croisés durant notre passionnante excursion. Hey, et maintenant, on retourne à la maison. Fais attention, Rage, tu viens de faire tomber Al de la ferme aux jouets dans la barre. Oh pardon, hey, je suis espèce de tête de linotte, je vais devoir redessiner toute la ville. Pardonne-moi, on est dans quelle zone déjà? Oh, tu as l'œil, mon petit ami. Ça, c'est une partie spéciale du jeu qui s'appelle Western Woody, où tu peux te promener, faire régner la justice, car tu incarnes un shérif du Far West. Trop fort! On peut aller là-bas? C'est vrai? Allons-y! Uniquement si un lézard sans cervelle promet de ne pas tout casser sur son passage. Non, je vais éviter, je te le promets! C'est cool parce qu'on a vraiment les voix françaises et tout ça, et... Non, c'est très sympa. Franchement, j'aime bien pour l'instant. À voir ce que ça va être. Alors, coffre à jouer, radio de Woody. Bah, je pense que je n'ai pas trop le choix. Hein. Joueur 1. Ce cinéma n'est pas à l'origine de l'expression le grand écran. Ah, donc je peux choisir entre Buzz, Jesse ou Woody. Ok. Alors, est-ce qu'on peut choisir? Non, je peux pas. Donc, je dois aller là, visiblement. Bon, on va prendre Woody. Hein. Bon, je pense qu'ils vont nous présenter un petit peu les modes de jeu au début, histoire de, bah, voilà, présenter un peu le, bon, l'univers, je pense pas, mais ouais, juste les modes de jeu, tout ça, nous montrer ce que ça donne, ce qu'on peut faire. Parce que je sais qu'il y a un mode histoire. Enfin, j'ai vu sur la boîte, il y a un mode histoire, puis il y a un mode après où on peut créer notre propre histoire. Et je pense que c'est ça. C'est peut-être ce mode-là, le rodéo de Woody, je sais pas. Je connais pas du tout, hein. Là, c'est vraiment découverte totale, on verra bien. On verra bien. Moi, le maire Bayonne, je te nomme aujourd'hui shérif de Western Woody. Mes félicitations. À toi de faire régner l'ordre et de veiller à la prospérité dans notre ville. Alors, apportez de l'or et de nouveaux jouets pour donner un bon coup de neuf. En avant, allons, en avant. Si c'est un shérif qu'il te faut, tu t'es adressé au bon jouet. Allez, allez. Commençons par détruire les cabanes et par faire de la place pour de nouveaux immeubles. Alors, à moins que ce soit un peu le hub central, peut-être. Elle apparaît dans ta liste de missions. Allons voir ça. Non, pas celui-là. La liste de missions récapitule... Tiens-toi la ville. Ok. Il détruit 3 cabanes. S'il te faut plus d'aide, sers-toi de la boussole. Là, tu vois la boussole dans le coin à droite? Elle t'indique dans quelle direction aller. Allez, mets-toi en route. D'accord, bon. Je pense que c'est pour le début du jeu, on va voir ça. Voilà. Ah non, c'est pas bon. Pas encore, en tout cas. Qu'est-ce que c'est ça? Donner un coup, oui, ça je sais. Voilà. Du coup, ça fait quoi? Je gagne plus d'argent, ouais. Bon travail. Tu as rempli ta mission et gagné de l'or. Et il y a encore beaucoup d'or à gagner si tu remplis d'autres missions pour les habitants de la ville. Cette balise indique qu'un jouet a une nouvelle mission à te confier. Bon. Pour l'instant, c'est en somme assez classique. Bon, ça, c'est quand même bien éclairé, comme quoi il a une quête. Hein. Je te jure. Ce petit gars vient d'arriver du secteur 4. J'ai bien peur que sa tête verte prenne un coup de soleil si on ne lui donne pas un chapeau. Donc il va falloir que je trouve un chapeau, c'est ça? Non, ou que... Jette-le chez le chapelier et il va entrer. Non, pas celui... Ah oui, comme ça, d'accord. Allez, choisis-lui un chapeau. Putain, c'est n'importe quoi.
Bon, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Un truc. Allez, ça, c'est marrant. Je vais ajouter peindre les immeubles à ta liste. C'est une façon simple et rapide de donner un coup de neuf. Ok. Ah, donc on peut personnaliser les... les habitations, c'est cool. Voyons voir ça. Ah ouais, d'accord, tu peux vraiment changer tous les trucs. Ah, c'est sympa en vrai. Alors du coup après est-ce qu'il faut... Enfin je me demande est-ce qu'il faut mettre des trucs en particulier pour que les habitants te donnent des... Pour que les habitants te donnent des trucs ou quoi, mais je sais pas. D'accord. Sa ville est terne, la boutique de la saloon et la mairie ont besoin d'une couche de peinture fraîche. Alors, fenêtre non mur. Alors, saloon, mairie et la boutique. Boutique, c'est quoi? Celle de chapeau? C'est quoi la boutique? Parce que... C'est pas très 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 clair. C'est peut-être celle-là, la boutique. Je crois que Papy Pépite a besoin d'aide. Si tu lui parles, je parie qu'il te dira comment trouver plus d'or. Oui, ça c'est bien, mais c'est pas ce que je veux pour l'instant. Non, je veux personnaliser la boutique. Voilà, dégage. Merci. Bon, ça m'a l'air assez basique pour l'instant, n'est-ce pas? Ah, j'ai une étoile, ok. Étoile d'or gagnée. Alors c'est bon là, la mission elle est remplie, non? Ah non, alors c'était pas la boutique. Donc il y a encore un... Ah, c'est peut-être ça. Le problème, c'est qu'il n'y a rien qui t'indique où c'est les magasins ni quoi que ce soit, donc... Moi, je veux bien les peindre et tout ça, il n'y a pas de souci, mais j'aimerais au moins savoir où c'est, quoi. Ah, voilà. Bon, tout ça, c'est très bien, mais comment on fait pour le mode d'histoire? Peut-être retourner au plateau de jeu, je sais pas. Sincèrement, à mon avis, là, c'est juste pour avoir de l'argent, et je crois qu'après, on peut s'acheter des... Fenêtre dragon. Ah d'accord, donc on peut débloquer des éléments de chapeau bouteille de lait, ok. Ouais, donc après je pense qu'on peut débloquer des éléments de construction et des trucs comme ça à mon avis, pour de la peinture ou d'autres. En vrai c'est sympa, hein, c'est cool, cheveux frisés, des trucs comme ça. Enfin, moi je vois que ça, enfin, je vois que ça comme alternative, mais à mon avis le mode histoire n'est pas là. Bon, très sincèrement, ça peut être fun je pense pour les, voilà, pour les... ceux qui découvrent... Ceux qui veulent vraiment découvrir l'univers un peu Toy Story et tout ça, mais à mon avis, je pense pas que je vais m'éterniser beaucoup dans la construction de la ville et tout ça. Ça peut être sympa, je dis pas le contraire, mais je pense pas m'éterniser bien longtemps dans ce mode. Qu'est-ce que c'est ça? Non. Tenue femme, dépendante. Oh, j'ai même pas lu. Ça passe trop vite les trucs, on a à peine le temps de lire. Qu'est-ce que c'est ça? Non, là visiblement je peux rien faire. Tenue de basketteur, ok. Ah, peut-être qu'il faut lancer quelque chose. Non, ça marche pas comme ça. Peut-être avec un autre personnage, je sais pas. Ça m'a l'air quand même d'être un peu le hub central, mais je sais pas, j'ai pas l'impression. Peut-être qu'il fallait juste faire 2-3 missions pour valider le truc et puis se dire bon bah voilà c'est fait, merci, au revoir. Voulez-vous qu'on reprenne notre récit?
Ah, voilà, plateau de jeu. Voulez-vous qu'on reprenne notre récit? Donc, ok, on peut continuer l'aventure principale. C'est bien ce qui me semblait. Donc, c'est pas par ici, quoi. Ah, parce que techniquement, je sais que le jeu. Enfin, je sais que le jeu va retracer l'histoire du film. Donc, ça me paraissait quand même assez étrange. Je connais tout ce domaine un peu construction, machin, connerie, alors que le jeu. Ah, quand même, je veux dire. Attends, est-ce que je devrais pas me mettre là? Ah, ça marche pas comme ça. Parce que j'ai vu qu'il y avait un truc au-dessus, mais j'arrive pas à l'atteindre. Ou alors peut-être d'un autre côté. Non, je sais pas. Faut peut-être construire quelque chose d'autre pour atteindre la plateforme, enfin le jouet au-dessus. Je sais pas, bref. Qu'est-ce que je fais? Déjà, on va sauvegarder. Oui, ça me paraît être une bonne chose, la sauvegarde, déjà. Et retourner au plateau de jeu. Enfin, quand ils disent plateau de jeu, c'est quoi? C'est assez de l'histoire, logiquement. J'espère, parce que sinon, ça sera un petit peu chiant. Enfin, bah, on verra bien. Parfait, reprenons notre histoire. Andy avait grandi et nous étions dans le coffre à jouets depuis bien longtemps. Chacun de nous espérait qu'Andy rejouerait avec nous une dernière fois avant d'aller à l'université. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Alors, maison d'Andy, sauvetage du train. Est-ce qu'il faut acheter des maisons dans ce jeu? Je ne suis pas très doué en Cinéma immobilier. Toy Story 3. Alors après, le problème, c'est que je sais pas du tout comment ça se passe. Est-ce qu'on doit aller là? On va aller là. Construire les pièces de collection et les récompenses de coffre à jouets, le rodéo de Woody. Change de jeton contre de mystérieux prix. Ok, on va aller juste vite fait voir là. Je découvre, donc. Sincèrement, j'ai envie de dire. Il faut que je voie un peu le hub et tout ça, comment ça se passe, quoi. Alors, je reviens, juste 2 petites secondes. Voilà, je suis allé allumer la lumière parce que bah, c'est pas évident. Donc étagère à jouets, est-ce qu'on peut naviguer? Tes figurines, œuf mystère. Donc c'est un peu les gachas, ok. Ah oui, quand même, ça prend 10 pièces. Waouh, j'ai obtenu une souche, trop bien! C'est n'importe quoi. Alors, tes figurines, non. Du coup, étagère à jouets, est-ce qu'on peut faire un truc là-bas, peut-être? Jeu de cartes, rodéo de Woody. Donc, c'est peut-être des mini-jeux, je sais pas. Des illustrations, canon ovni. Souvenir d'Andy. Sincèrement, je sais pas trop à quoi ça correspond et ni qu'est-ce que ça vaut, je sais pas trop. Je vous avouerai. En tout cas, on a que 3 trucs, donc on peut pas aller bien bien loin non plus. Alors, ça sera peut-être à la maison de Andy pour la suite de l'histoire. Logiquement, ce serait le cas. Et je pense que le train, c'est pour refaire le premier niveau en guise de prologue, je pense que c'est ça. Alors, tiens le téléphone. Objet trouvé, 0 sur 10 jeux de cartes, 0 sur 1 carte spéciale, 0 sur 1 affaire de Randy, et 0 sur 1 villageois. Alors, je pense que la suite du jeu devrait être là, logiquement. Écoutez, on va aller faire ça vite fait, hein, puis on verra bien. Mais voilà, écoutez, c'était un petit jeu, j'avais envie de changer un petit peu des RPG, tout ça, je me suis dit, je veux un jeu pas trop prise de tête, un peu détente. Donc j'ai tiré au hasard dans ma grande liste de jeux, et puis... Andy nous retrouvera grâce au téléphone et il jouera une dernière fois avec nous. Ça me plaît, cowboy. Ok, alors, voyons voir.
Ça veut dire quoi ça? Je peux changer en buzz? Je peux changer en buzz? Non? Ah, alors il me faut buzz. Je peux vous aider. Ah, voilà, L1 pour changer de personnage. Bonjour à vous. Alors, voyons voir. Déjà, sous le lit, il doit y avoir un truc. Voilà, ça c'est fait. Ah, ok, je peux déplacer le sac. Ah. Ok. Merci pour le taxi. Ok, d'accord. Ouais, c'est une bonne utilisation des personnages. Ok, bon. Ah, là il y a un truc. Donc attends, on va pousser la caisse. Parce que là, tadam, il y avait ça. Carte collector. Ok, donc je crois qu'il y a des différents trucs à récupérer. Différents objets, cartes cachées, je pense. Voilà. J'ai pas besoin d'aide. Est-ce qu'on peut sortir dehors? Non, je crois pas, ça serait trop beau. Ah, ok, c'est ça que ça sert. L'action Woody, l'action de Woody. C'est bon. Le truc, c'est qu'il y a des cartes à récupérer, des cartes cachées, des trucs, donc je me dis d'un côté... J'espère que ce plan va marcher. Personne n'a joué avec moi depuis des années. Ok, non, franchement, c'est sympa. C'est sympa, je pense qu'il y a des bonnes utilisations des personnages qu'on pourra avoir chacun son tour, à mon avis. Je pense que ça va être bien cool. Alors, normalement, j'avais un peu tout fouillé dans ce coin-là. Il y a peut-être le carton là. Non, par contre, ouais. Ouais, bon, en fait, il y avait besoin de buzz, oui, au début, mais plus tellement après, vu qu'on peut remonter par nous-mêmes. Bon, forcément, les cartons. Voilà. Bon, comme je vous dis, je vais peut-être pas tout récupérer. Hein. Je récupère ce que je peux récupérer au passage. S'il y a des trucs bien cachés et tout ça, bon, bah, ma foi. Ah. Alors là, je pense qu'il me faut Buzz, à mon avis. Pour projeter Woody de l'autre côté. Logiquement. Moi le héros. Exactement. Ah là par contre il faut Jesse. Oh salut. Excellent. Ok donc Buzz c'est un peu le personnage qui a le plus de force, je pense, hein, visiblement. En tout cas de ce qui est montré ça a l'air d'être ça. Alors Jesse, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle doit faire un truc spécial à mon avis. Ah ok, elle peut faire une espèce de toupie en l'air visiblement. Bon évidemment ça la fixe hein, sur le truc. Génial, on a le téléphone portable. On n'a plus qu'à l'appeler avec le téléphone fixe. Rex est toujours porté disparu. Et il n'a pas rapporté le téléphone sans fil. Il faudrait savoir ce qu'il retient. Viens. Mais c'est ça que j'adore dans le truc. C'est vraiment l'aspect que c'est des jouets qui peuvent vraiment tout faire, quoi.
va le descendre. Monsieur, je pense qu'on peut vous aider. Mes hommes se sont déployés dans toute la chambre, mais sont restés coincés. Si vous parvenez à les libérer, ils feront descendre le téléphone en douceur, je vous le garantis. Merci, sergent. Je n'attends que toi. Hey, c'est pas... Ok, ok. Bon, bah, ça me paraît pas trop mal comme fin de premier épisode. Bon, voilà, c'est un, comme je dis, c'est un petit let's play à la cool, tranquille, sans prise de tête. Pour changer un peu de mes habitudes RPG-esques. Donc, voilà, voilà, l'épisode 1 s'achève ici. J'espère que ça vous aura plu. J'espère de mon côté. Bon, je pense qu'avec la chanson, ça va être compliqué de pas avoir de strike, mais on verra bien. Et puis, bah, moi, je vous retrouve tout simplement bientôt pour la suite de Toy Story ou de Dark Cloud. Prenez soin de vous. Bonne journée, tout le monde. Bonne soirée. Et puis voilà. Désolé si mon commentaire n'était pas tip-top. Hein. C'est juste que voilà, j'essaie un peu de découvrir un peu comment le jeu fonctionne et tout ça au début. Je pense que par la suite, ça sera bien mieux. Puis ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça à l'ancienne, on va dire, plus que des streams. En stream, c'est une chose, mais les vidéos classiques comme ça, ça fait un moment que j'en ai plus trop fait. Donc vous excuserez si mon commentaire n'était pas non plus extraordinaire. Hein. Je sais que c'est pas une excuse valable, mais bon. Bref, sur ce, bah voilà, prenez soin de vous, puis à la prochaine. Allez, bye bye!